Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, on va attaquer la révision du Kinko. Donc, on va faire la transmission. Donc j'ai enlevé les carénages avant, c'est normal, c'est parce que tout simplement je vais avoir aussi les segments à faire après dans une autre vidéo. Donc là déjà on va enlever l'antiparasite. Donc voilà, on va enlever la bougie. La bougie est bien mouillée quand même. Donc la preuve que j'ai bien un problème de segmentation là-dessus. On va mettre le bloc piston tout de suite. Voilà. Là on va enlever toutes les vis du carter de kick. Donc vous avez également la vis pour le tendeur de frein qui est là, enfin pour la butée de frein qui est là à défaire. Je vais essayer de dézoomer un peu. Alors moi pour ça je les débloque en fait avec une clé, avec un cliquet, et je finis de les desserrer à la visseuse. Donc voilà, j'ai enlevé le carter de kick. Donc là-dessus, on va changer la courroie. Je vais démonter le correcteur de couple, le nettoyer, le regraisser. On va changer la joue mobile et le canon parce que c'est bouffé. Les galets n'ont rien, donc je ne les change pas. Donc voilà, hein, ça ne sert à rien de changer des galets quand ils sont pas morts, très clairement. Là, ça m'a coûté déjà bien assez cher comme ça. Là, je viens de m'apercevoir qu'en fait, le joint de carter de kick avait été cassé. Donc, j'enlèverai les résidus de joint après. Puis, c'est pareil, je vais aussi nettoyer tout le carter de kick. Parce que, enfin, tout le carter de variation. Parce que c'est bourré de saleté dedans. J'espère que ça ne va pas trop m'enquiquiner, ça, pour le démontage. Bon, normalement, c'est moi qui l'avais resserré. Hein. Je l'avais déjà démonté pour un... je sais pas pourquoi je l'avais démonté. Ah bah oui, quand j'avais changé la courroie.
Est-ce que sur Kinko c'est bien foutu? C'est bon, c'est desserré. Ça donne un bon coup de dent. Nettoyage là-dedans. Hop. Ça, on garde. Ça à nettoyer. Alors les nettoyages de pièces, je le ferai pas en vidéo. La courroie, c'était d'une bandeau que j'avais mis, mais bon, elle a pas fait. Bon, elle est pas tout à fait morte, hein, elle commence, mais on va la mettre de côté quand même. Elle pourra toujours servir en cas de casse de courroie. Pignon de démarreur, il sera nettoyé aussi. Ça, c'est la source à problème. Hop. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, moi, je vais procéder au nettoyage du carter de kick, nettoyage des pièces, et on procède au remontage. Donc, j'ai quand même débloqué l'écrou manuellement. Enfin, hors caméra. Hein. Parce que ça peut être compliqué, tout simplement, à faire. Voilà, je vais vous zoomer un peu. Là, on enlève l'écrou. Vous repérez bien le sens, c'est l'écrou a un sens. Moi, pour ma part, il y a du feutre dessus. Donc là, on va relâcher la presse à embrayage. Donc, j'en ai pas trop chié pour le défaire, pour le desserrer. Franchement, je m'attendais à plus en chier que ça. Mais non, finalement. Ça a été. Voilà. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'entretien. Voilà. Effectivement, bien crade. Alors, le ressort du variateur n'est pas d'origine, hein, je tiens à le préciser ça. C'est un ressort, je ne sais pas ce que c'est comme marque. Au vu de la couleur, je pense que c'est un Poligny. J'avais toujours cru que le ressort était rouge. Et non, finalement, il est bleu. On va sortir la collerette en priant qu'elle ne soit pas bloquée. Sauf ça, ça peut arriver. Des tournevis un peu plus fin. Bon, écoutez, j'essaie de la débloquer puis on se reprend après si j'ai réussi. Donc j'ai réussi à la décoller. Donc WD-40, petit tournevis, petit coup de marteau, vous mettez bien à plat, pom pom pom, et hop, ça sort. Je m'en doutais un peu, hein, ça fait un moment. Je l'ai jamais entretenu moi depuis que je ne fais plus les révisions par garage. Et je peux vous dire que ça se voit parce que enfin, le truc que j'espère c'est qu'il n'est pas bouffé. J'ai fait un scooter 4 temps il n'y a pas longtemps à Kinko et cette partie là qui vient ici a été bouffée. On va sortir les pions. Thank you.
Hop là. Là, je vais changer mon essence parce que je le nettoyais à l'essence, mais là j'ai de l'essence qui est sale. Ça, vaut mieux le nettoyer avec de l'essence neuve. C'est préférable, ça vous évitera de vous retrouver avec des résidus dans les roulements. Donc, une fois nettoyé, vous allez remettre de la graisse là-dedans. Alors, vous prenez au minimum de la graisse lithium. Pas de la graisse standard, hein, de la lithium. Normalement, j'en ai mis partout. Voilà. Une fois que c'est remonté, vous allez racler le reste de graisse. Donc ça, c'est la graisse que j'avais eue avec le plateau de la 89. Vous allez graisser au niveau des encoches où que viennent les pions. Voilà. Vous allez mettre un pion déjà. Eux, c'est pareil, vous les nettoyez. Hein. Vous nettoyez tout. Vous faites ça sur les trois. Une fois les pions remontés, vous allez graisser légèrement ça. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Vous mettez juste une fine couche. Il faut que ça se sente, que ça soit graissé, mais il ne faut pas que ça se voie en fait. C'est juste histoire que voilà, c'est parce que après si vous en mettez trop ça va dégueuler très clairement. On va re-rentrer ça. Voilà, vous enlevez le surplus de graisse. Vous allez ouvrir et fermer plusieurs fois le correcteur. Là, ça a l'air d'être plutôt pas trop mal. Je replace le ressort. On n'oublie pas ça. Ça, vous n'avez pas besoin de le graisser. C'est bon. On va démonter l'embrayage pour le nettoyer aussi. Alors par contre, un truc à savoir sur l'embrayage pour le nettoyage, vous allez nettoyer la partie métallique. Par contre, vous essayez de pas mettre d'essence sur les garnitures. Vous mettez de l'essence là-dessus, vous pouvez prendre votre embrayage et le foutre à la poubelle après. Je vais démonter les ressorts. Ça, c'est le dégrippant qui vient de tomber. Voilà, on va enlever l'éclipse. Avec les rondelles. Ça c'est pareil, vous le faites pas à l'essence, les petits caoutchoucs, vous essayez de les nettoyer plutôt avec ou WD-40, mais avec un truc gras. Faites-le pas à l'essence parce que sinon ça va les déformer en fait, l'essence se chauffe
les caoutchoucs, ça aime pas l'essence. Voilà, très clairement. Voilà. Je nettoie ça, on se reprend après. Donc voilà, j'ai nettoyé l'embrayage. Le mieux, ça serait que d'avoir du nettoyant frein pour les nettoyages. Vous n'hésitez pas à décaper les pions. Et après, vous allez, moi, je l'ai déjà contrôlé, mais vous regardez bien si les mâchoires sont libres. Faut pas que ça force. Donc voilà, on va remettre les caoutchoucs tout de suite, qui ont été nettoyés au WD-40. Lors du nettoyage de l'embrayage, je me suis aperçu que j'avais une mâchoire qui était cassée. Donc ça... Ici, là. On va encore me dire que c'est moi. Donc je poserai même pas la question. Vous avez graissé les pions. Alors, graissé légèrement. Vous mettez une fine couche. Parce que là, à cet endroit-là, normalement, c'est pas de la graisse comme ça qu'il faut mettre. C'est de la graisse cuivrée. Et j'en ai pas. J'en ai trouvé, mais... Vu que je fais pas souvent les scooters, je pense pas spécialement à en acheter. On va remonter les mâchoires. Je vais replacer les mâchoires correctement. Alors vous évitez de foutre les doigts sur les garnitures par contre. Ça c'est tout évité. Voilà, on va remettre les ressorts. J'essaie de prendre le crochet quand même. Je vais monter les ressorts hors caméra, ça va être trop long sinon. Donc voilà, toutes les pièces sont nettoyées, l'embrayage aussi. Là maintenant, on va remonter l'embrayage là-dessus. Ça va être la partie marrante, ça. Je suis désolé, mais vous n'allez pas voir. Hein. Là, il faut arriver à centrer l'embrayage. Le ressort a l'air quand même assez dur hein, sur cet embrayage-là. On ne sait pas l'origine, hein, ça c'est clair. Maintenant, le coup, je commence à me poser des questions si le grido, si c'est bien à cause du. Des ressorts d'embrayage ou le ressort de poussée qui est trop souple. Donc là maintenant je sais tourner un petit peu l'embrayage, je vais le tenir. Ouais, là par contre le problème c'est que vous ne voyez pas.
Voilà, il est rentré. Je vais le comprimer un peu. Voilà. Et maintenant, vous pouvez remettre l'écrou. Et vous essayez de le visser quand même droit. Là, on ne peut pas faire plus droit, clairement. On va resserrer ça, donc j'ai pas la douille qui va dessus. Donc, parce que aucun scooter n'est capable d'avoir le même écrou, de toute façon. Donc là, ce que je vais faire, moi, je le fais à la pincette eau. Bon, déjà, on va l'avancer. Voilà. Le truc que vous pouvez faire, si vous ne pouvez plus choper des coups, pour desserrer la presse, et ce que vous allez faire, voilà. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné un petit peu l'embrayage. Là maintenant, je vais la resserrer, bien entendu. Voilà. Et je vais me mettre dehors et je vais finir de le serrer au marteau. Donc comme vous pouvez voir, j'ai nettoyé tout le carter de kick, hein, enfin tout le carter de variation, il y en avait vraiment besoin. Là on va remonter en premier lieu le correcteur de coupe avec sa courroie. On peut également monter le variateur en premier. Moi, étant donné que le variateur d'origine était HS, donc dans le coup, j'ai racheté une joue mobile et un canon. Il va y avoir un canon là-dedans. Comme je vous ai dit, les galets sont pas morts. Alors moi, j'ai deux poids de galets là-dedans. J'ai du 7 grammes et du 5,7 grammes. Alors, ça, c'est les 7. Ça, c'est du 5. Et 7. Et ça, c'est du 7. Alors, pour les galets, vous allez prendre déjà les 3 galets de... Voilà, les 3 galets de 7. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Voilà. Vous allez mettre un galet là. Alors, je sais pas si on arrive à voir. Ouais, il est là. Vous allez mettre. Alors par contre, vous essayez quand même de les mettre dans le bon, tous dans le même sens. Un galet là. Un galet là. Et pour les 5,7, bah vous en faites autant. Un là, un là, merde là. Et un là. Alors pourquoi il faut faire ça? Bah tout simplement parce que si vous mettez un exemple de galet de 7 là, et qu'après bah vous mettez, je sais pas, deux galets de 5,7 là, deux galets de 7 grammes là, vous allez avoir un déséquilibre du variateur. Faut vraiment tiercer les galets. Vous pouvez mettre plusieurs, vous pouvez mettre différents poids dans un variateur, mais vous pouvez mettre que deux, par contre vous pouvez mettre que deux poids différents maximum. Donc on va reposer le variateur. Voilà. Autre pièce aussi qu'on va remettre tout de suite, qui nous permettra d'éviter de l'oublier.
C'est le lanceur du démarreur. Lui, je l'ai fait tremper dans l'essence parce que bah, il avait du mal à s'enclencher très clairement. Donc on le remet. Voilà. On va remettre le correcteur de couple avec la nouvelle courroie. Cette courroie n'a pas de sens, mais essayez quand même de la mettre. Vous la mettez de façon quand vous êtes devant le scooter, en fait, vous la mettez de façon à ce qu'on voit l'écriture à l'endroit. Le correcteur de couple, j'en connais beaucoup qui ouvrent ça au tournevis. J'en connais beaucoup qui ouvrent ça au tournevis plat ou à la pince. Faut pas le faire, ça. Parce que si vous faites ça, vous avez une chance sur deux de niquer le correcteur de couple. Alors ça sera un peu con quand même, parce que ça vaut un correcteur, c'est pas donné. Donc je vais redresser la cage à aiguille de la roue libre. C'est vu que j'ai nettoyé à l'essence tout à l'heure. L'autre roulement, il est étanche, mais par précaution, j'ai quand même remis un petit peu d'huile dedans. Voilà. Par contre, pour la courroie, bah, vous essayez d'avoir les mains en de préférence le plus sec possible. Pour le correcteur de coupe, en fait, il faut appuyer. En fait, vous le tirez tout en tournant. Puis vous essayez d'y faire entrer la courroie dedans. Une fois que ça c'est fait, vous la bloquez comme je le fais là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, juste à renquiller le correcteur sur le moteur. Et la courroie ici. Alors vous relâchez pas tout de suite. Vous essayez de pas trop relâcher le correcteur parce qu'il faut qu'on remette la. Bon, normalement ça devrait le faire, il devrait pas se désengager. On va quand même dans un premier temps enlever les résidus de graisse. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout enlever, mais il faut enlever le maximum quand même. Vous remettez le tambour, voilà, avec son écrou. Il n'y a plus qu'à resserrer. Alors, il n'y a pas de couple de serrage là-dessus. Enfin, il doit y avoir, mais je les ai pas. Donc, je serre à l'expérience, hein, très clairement. Voilà, ça c'est bon. Pour le variateur, c'est pareil, ça a été nettoyé. Chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai poncé légèrement le correcteur de couple, les joues là, où que passe la courroie. Je les ai poncés légèrement. Tout simplement parce que ce qui se passait, c'est que j'avais des résidus de courroie dessus. Donc là, pour remonter la joue mobile, la joue fixe du moins, vous allez tirer la courroie. Enfin, vous essayez de re-rentrer un peu plus la courroie dans le correcteur. Vous la tirez un peu vers l'avant. Et vous essayez de remonter la joue fixe. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement
de façon à pas bloquer la courroie au niveau du variateur. Parce que la courroie est neuve. Donc automatiquement elle est un peu plus large. Là je remonte la joue ventilée avec le rocher du kick. Avec la noix de kick, exactement. La rondelle, l'écrou. On resserre. Voilà. On ne serre pas non plus comme un abruti. On enlève le bloc piston. Maintenant, vous pouvez voir que la courroie elle est tendue. Je vais vous montrer comment on fait pour la retendre. Il vous faut la clé. Bien entendu, vous le faites avec l'allumage de déconnecter. En fait, soit vous enlevez le mieux, vous débranchez l'antiparasite. Il faut surtout pas que le scooter démarre. Je prends un tournevis cruciforme pour tenir le pignon du démarreur. Sauf que je viens de me rendre compte que j'avais enlevé la batterie. On se la refait. Ça marche. Donc vous tenez le pignon du démarreur avec le tournevis cruciforme. Alors vous essayez de le tenir droit. Et ça marche pas. Donc j'avais un mauvais contact dans l'écosse de la batterie parce que je ne vous avais pas fixé. Donc il va falloir que je gratte ça après. Là c'est bon, elle est tendue. Donc je vais enlever la batterie, je vais la gratter un peu et je vais la foutre en charge. Surtout parce que je me suis aperçu que... Voilà quoi. Le dernier truc à faire aussi, que j'ai pas pensé à faire tout à l'heure, c'est la vidange de la transmission. Donc là je suis en train de chercher le bouchon de vidange parce que je me rappelle plus du tout où il est là-dessus. Donc voilà, la vidange est en train de se faire. Donc finalement j'étais peut-être pas obligé de la faire, hein. L'huile est encore nickel. Mais elle a quand même 15 000 km. Hein. Donc en fait le bouchon de vidange c'est le... je vous montrerai après quand l'huile sera vide. Donc voilà le trou de vidange, le bouchon de vidange en fait. C'est pas celui qui est là. C'est celui qui est juste à côté. Je parle sur les Kinko de temps. Hein. AJTFR de temps. Donc pour le plein, bah bien entendu on remet le bouchon de vidange. Voilà. On va le resserrer. On va défaire celui qui est là. Normalement, je crois que c'est celui-là, le bouchon de remplissage. Ouais. Voilà. Le remplissage, c'est celui qui est juste en haut de la vis. Là. Ça, pour le remplir, c'est pas compliqué, on va dire, en soi. Il faut acheter de l'huile de transmission 80-90. Moi, j'utilise de la Motule Scooter Gear. J'utilise cette huile-là depuis plusieurs années maintenant. C'est une très bonne huile. Celle que j'ai vidangée, c'était exactement celle-là qui était dedans. C'est un tube qui fait normalement 150 ml. Donc, vous coupez le petit bout. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Sur les Kinko, c'est la merde. Alors, sur Kinko, en fait, je vais vous expliquer. Je vous dézoome, je coupe et je place. Alors, sur les Kinko, vous êtes obligé de coucher le scooter parce que c'est tellement bien foutu que voilà. Il faut y aller petit par petit. Et ça ne veut pas y aller. Hein. Donc voilà, je l'ai couché. Alors, vous allez faire couler gentiment. Parce que le but, c'est que l'huile rentre dans la transmission, c'est pas qu'elle finisse à côté. Ça, c'est vraiment très mal foutu hein, sur Kinko. Même, c'est un plus bordélique qu'un 4 temps quand même.
Je vais essayer d'une autre manière. J'ai de la durite. Je sais qu'avec de la durite. Voilà, je me suis fait un petit truc avec un bout de durite. On verra bien si ça veut marcher. Non, ça va pas. Bon, on va continuer comme ça. Allez, petit par petit. Bon, écoutez, je finis ça et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis tout le tube. Alors franchement, c'est vraiment mal foutu sur Kinko. Hein. Ça, c'est le truc qui me gonfle à chaque fois là-dessus. C'est vraiment mal foutu le système de remplissage. Ils auraient pu faire un carter plus décalé quand même. Très clairement. Après, on va remonter le carter du kick. Puis ça sera fini pour cette vidéo. Et puis voilà. Hop là, ça c'est bon. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc toute la transmission primaire ainsi que la vidange j'ai faite. Donc voilà. Je vous ai pas montré en vidéo, j'ai oublié de vous en parler. J'ai regressé également le rocher du kick, donc qui est au carter de kick. Pareil pour le carter de kick, pensez à bien vérifier qu'il soit bien monté, parce que là j'en ai chié pour monter. Forcément le téléphone qui sonne à ce moment-là. Donc c'était mon patron, donc je reprends le boulot demain, donc il faut absolument que je me bouge pour finir le scooter. Donc bah voilà, hein, c'est tout pour cette vidéo, comme je vous disais. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande, en priorité Mob11, LG Motorsport Racing, et la chaîne Streamix 2.0, la chaîne de mon petit frère. Et vous pouvez également vous abonner aux autres chaînes YouTube que je vous mets aussi en description. Prochain épisode, on s'occupe du cylindre. Allez, à plus.